بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إبان كنا إيمان إنا أن فري تقوى الله إنا بامو إكسبتي كمان مسلمان. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. إبن جمون إنا تقوى بزوت رب c'est lui qui zut servit ce nom dans ma demande et ma transaction entre zut et préserve relation familiale. إن الله كان عليكم رقيبا. certainement Allah Ta'ala l'y peut observe zut. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إبان كنا إيمان إنا تقوى بالله إجيبان بارول كي جست. يصلح لكم أعمالكم الله تعالى بواميليوز بان أكشو ويغفر لكم ذنوبكم إي لبو باردن زد بان بشي. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. celui qui obéit à Allah et son prophète, son messager, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors certainement, li fin fait une grande réussite. Ala inna asdaq al hadith kitabullah. certainement, parole qui plie vraie, c'est le livre d'Allah, le Coran. Wa khayr al hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Meilleure guidance et guidance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa sharra al-umur muhdathatuha. Man quelque chose qui plie pire, qui plie mauvais, c'est ma nouveauté dans din. Wa kulla muhdathatin bid'a. Toute nouveauté dans din, c'est ma innovation. Wa kulla bid'atin dalala. Toute innovation, c'est l'égarement. Wa kulla dalalatin finnar. Tous les gamins les amènent vers différents l'enfer. Faire l'islam sur l'islam. Après le mois de Ramadan, un mois que soit un djimoun les fin faire des efforts, les fin faire sacrifice pour les rapprocher plus avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien un djimoun fin montrer les négligents. Ramzan fin traverser, pas fin en a aucune amélioration dans ce la vie, ni pendant, ni après Ramzan. Tous les deux catégories djimoun, c'est lui qui fin faire efforts, il fait sacrifice, il fait tilawat Coran, il garde rosa avec iman. Et l'espoir qu'Allah pour pardonner ce man péché, pour accepter ce man mon action, c'est lui qui nous dit dans la nuit pour faire tarawih, pour faire qiyamul layl,
celui qui méditait le Coran, et aussi catégorie du monde qui est négligent dans le mois de Ramadan, même peut-être Namaz Faraz, il n'a pas réussi à faire 5 fois par jour dans l'air. Quelque chose qui est un véritable croyant, pendant et en dehors Ramzan, il n'a pas raté ça. Même il est arrivé à commettre certains grands péchés dans sa mois de Ramadan, là, tous les des catégories du monde, l'important qui assiser, faire une réflexion là où nous la vie. Muhasabatun nafs, dis-je nous-mêmes, qui fait l'importance à action là, parce que Satan nous l'a mis déclaré, l'hypoattaque, tous les deux catégories du monde. Celui qui est négligent pendant le mois de Ramadan, Satan fait lui comprendre, mais, ou bien Satan fait lui dire, Ramzan il traverse, tu pas de sens, mais qui tu sens? Alors Satan met désespoir dans son équerre et fait lui même mettre un barrière entre avec Allah, fait lui croire qu'il soit quand désespéré. Et il pas retrouve lui-même vers un chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. Satan fait oublier que Allah subhanahu wa ta'ala a pris adresse à son serviteur. Allah ta'ala dit Qul ya ibadi, dit au mot ban serviteur. Allah piata sa groupe là, sa groupe serviteur là, à lui-même. Moban serviteur. La taqon, alladhina asrafu ala anfusihim. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Dia o moban serviteur qui fin fait zout même beaucoup dito, je ne commets beaucoup péché. La taqnatu min rahmatillah. N'a pas désespéré avec Allah sur rahmat, sur pitié. N'a pas désespéré avec Allah Ta'ala sur pitié. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Certainement Allah Ta'ala lui pardonne tout péché. Innahu huwa al-ghafur al-rahim. Certainement Allah lui ghafur. Lui pardonne beaucoup. Lui rahim. Il y en a beaucoup pitié. C'est l'autre catégorie du monde qui. Lui fait des efforts dans le mois de Ramadan, il fait sacrifice. Lui aussi pareil, il n'est pas à l'abri de mantrique Shaitan. Il n'est pas à l'abri. Comment est-ce que Shaitan capable d'attaquer lui? Shaitan met dans sa dimoun là sur les quais hein, une qualité qui appelle Al-Ujub. Veut dire dimoun là, il est impressionné par lui-même. Sa quantité ibadat là, mon fait dans Ramzan. Sa quantité de khatm al-Qur'an là, mon fait de Ramzan, extraordinaire. Et sa ujb là, petit à petit, s'il n'est pas contrôlé, il vient takabour, l'avantardise, dit mon là, senti lui supérieur, et sa takabour là, il brille sur une bonne action, pareil comme a dit fait, brille du bois qui ne sait. À cause de ça même, man sahaba, après un mois de sacrifice, je t'y paierai se plaigner avec Allah. Oh Allah, acceptez de nous les efforts, les sacrifices qui nous font faire pendant le mois de Ramadan. Même Ena, après 6 mois, 6 mois après Ramzan, je t'y encore paie des mains à Allah. Oh Allah, acceptez les efforts et les sacrifices qui nous font faire pendant le mois de Ramadan. Et un demande si qu'Allah Ta'ala a accepté une bonne action qui un serviteur fin fait. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Ahabbu al-a'mali ila Allah, ban meilleure action auprès d'Allah, ban action qui Allah plus content, adwamuha, une action qui continuelle, régulier, wa in qalla, même qu'il est tigit, mais seulement serviteur là fait d'une façon régulière, cette action là il y en a plus valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, frère l'islam, c'est en l'islam. Si après le mois de Ramadan,
Nous avons envie de préserver ce même effort, ce même sacrifice qui nous fait faire. Dans Ramzan, il faudrait que nous ayons même l'enthousiasme pour faire Namaz Fajar, pour Manjoum en Jamad. Faudrait qu'il nous ait même l'enthousiasme pour la lecture du Coran. Faudrait qu'il nous ait même l'envie, nous faire même ses faux, pour faire un amas 5 fois par jour dans l'air. Faudrait qu'il nous fasse même ses faux, pour éviter ben quelque chose haram. Par exemple, comment se fait-il qu'il, sans aucune difficulté dans nous la case, pendant le mois de Ramadan, la télévision pas s'allumer? Comment? Jour id même, nous sommes contents. Grand débit Salman Khan, le grand l'écran, maman, Salman est bien content. Comment capable ça? Donc il faudrait après Ramzan, nous ayons même efforts, même l'enthousiasme pour faire une bonne action et pour rester loin avec une mauvaise action. C'est ainsi qu'Allah Ta'ala il a accepté les efforts qu'il nous fait faire pendant le mois de Ramadan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فران الإسلام شان الإسلام إنا beaucoup من جمون مسلمان أو بيانو مسلمان qui Allah tout seul connaît l'intention en dimoun mais il y a beaucoup de dimoun musulmans ou bien non musulmans qui vivent dans une situation que je trouve souffrance, je trouve zulm, je trouve pauvreté, j'ai envie d'un coup de main pour enlever sa zulm, pour enlever sa pauvreté, pour soulager mon dimoun dans nécessité. Mais pour un dimoun qui a iman, ça pas qu'il y fait, ça qu'il qu'il y fait, les bizarres analysent à la lumière du Coran et Sunna. Les bizarres étaient, si ça coûte mais qu'il y peut donner pour empêcher ça les mal là, est-ce qu'il ça, Allah satisfait avec ça? Est-ce qu'il ça permet un pli grandito ou bien non? Par exemple, nous tous musulmans souffrent quand nous trouvons nos frères, nos sœurs en dehors, Maurice peut souffrir dans Centrafrique, dans Gaza, dans l'Irak et ainsi de suite. Nous souffrons. Et Alhamdulillah, un chef religieux dans sa ummat là, un travailleur social dans sa ummat là, pas il y a 4 ans que je ne commence sensibiliser le monde. Je commence à faire manifestation, faire exposition concernant souffrance des musulmans à travers le monde, surtout dans Gaza. Là, l'actualité du jour concernant Gaza, c'est un groupe de monde, Allah connaît l'intention, qui peut faire des efforts, peut faire une campagne pour adopter 100 enfants palestiniens. Par permission Allah, nous nous joignons en privé, nous nous conseillons, nous dialoguons, nous causons avec eux. Frère en islam, c'est en islam. Faudrait pas qu'il, premièrement, nous laisse l'émotion dominer nous, parce qu'il nous souffre, nous. Nous souffrons quand nous trouvons un orphelin, peine à manger bois, peine à maman, papa, dans la rive, dans Palestine, dans Gaza, peut traîner, nous souffrons. Deuxièmement, il ne faudrait pas qu'il nous laisse nous emporter pour faire une action qui finalement lit le contraire de ce qui nous pérode. Frère en islam, c'est en islam. Problème Palestine, problème Gaza, avant qu'il y ait un problème humanitaire, il y a un problème qui concerne l'Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il vient un problème humanitaire. Parce qu'un musulman, il compte l'injustice dans n'importe qui forme. Même s'il y trouve, il saute dehors, il trouve un musulman peut faire l'injustice avec un non-musulman,
li obligatoire lo li pour li arrête ça l'injustice là. Mais seulement problème Gaza, premièrement ban juif in coquin in rentre dans la terre ban musulman. Et un musulman quand il défend sur la terre, il défend sur le nerf, il défend sur richesse. Et il mort dans sa lalite là, il y a un shahid. Et il est obligatoire là, sur un frère musulman pour aider, pour récupérer ce qui est un juif in coquin. Il y a une obligation devant Allah. Donc c'est un problème iman. C'est un problème iman. Masjid al-Aqsa. Troisième l'endroit plus sacré pour les musulmans. Masjid al-Aqsa, premier qibla sa ummat là. Masjid al-Aqsa, place qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam se dirige dans Isra et se départ pour Mi'raj. Masjid al-Aqsa, masjid qui tout le prophète in joigne, in fait namaz derrière le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tant qu'il sa masjid là, et bien la terre qui Allah fin béni autour sa masjid là, li pas retourne sous l'autorité islamique, djihad reste obligatoire dans sa langue. Donc c'est un problème qui concerne ben musulmans. Un problème qui n'a rapport directement avec nous, iman, essentiellement. Ensuite, il y a là, il y a un problème humanitaire, que même les non-musulmans, je t'attriste, je te souffre quand je trouve sa quantité dominée qui m'a juif fait faire dans la Palestine. Mais seulement, frère, en islam, c'est en islam. C'est qui ban juif ou les? Ce qui ban juif ou les existements si ban palestinien depuis la Palestine. Et à cause ça même, celle population réfugiée qui pas gagné droit retourne aux autres la terre avec complicité de la communauté internationale, c'est ban palestinien. Des millions de Palestiniens peuvent vivre dans un camp de réfugiés. Génération après génération peut prendre naissance dans un camp de réfugiés parce qu'ils sont juifs, pas où les, avec complicité bien sûr, mais l'État arabe alentour, pas où les, qui, ces Palestiniens-là retournent dans un endroit. Donc quand nous petits, ban orphelins, Palestiniens depuis la Palestine, nous peut jouer. Jouer qui m'a juif ou les juifs. Deuxièmement, ça m'a orphelin là, je peux grandir. Même qui j'ai orphelin, même qui j'ai payé à maman, papa, mais seulement nous pourrions manquer à travers l'histoire qui, dans un pays, qui est musulman en guerre, par exemple l'Afghanistan. L'Afghanistan, pas de Yatim Kana là-bas. Parce que quand les enfants viennent au félin, ben les autres musulmans qui sont dans l'endroit là, je te sentis ça un devoir, une responsabilité pour prendre ces enfants là pour qu'ils prient. Dans la Palestine, c'est pareil. Quand les enfants sont au félin, ben les Palestiniens qui sont là-bas, ils ont senti que c'est un devoir aux autres pour prendre ces ben enfants là pour qu'ils prient. Et ça va nous faire là quand on peut grandir, je peux grandir dans l'atmosphère iman, dans la case ban musulman, ou bien dans Yatim Kana qui gérait pas ban musulman. Je tarbiya, c'est un tarbiya islamique. Et puis, c'est autres ban futurs mujahidin qui pour tenir face à l'homme et juif dans l'avenir. Quand nous prenons autres Maurice, qui s'en a pour qui je. Si à ses enfants qui sont l'avenir, soit le Maïdan Jihad, ou bien les mots comme un enfant veut dire sur place dans Jannah, pour amener-les dans la case mondiale de la drogue. Ça va là qui préoccupe nous, nos félins.
Fais l'islam, j'en l'islam. Peut-être, j'ai de l'intention bon. Peut-être, j'ai de l'intention bon. Mais seulement, ça m'a des enfants au félin là, malgré qu'ils sont des palestiniens. C'est nous, des enfants, ça. C'est des membres dans nous, les causes, ça. Et il nous devoir pour veiller qui sont des enfants là. Je grandis comme des musulmans et je grandis avec une formation djihad au pire. En dehors de Palestine, quand nous causons djihad, nous avons un petit terroriste, nous avons un petit khawarij. Mais ça va nos enfants là, peut grandir avec sa formation là. Avec sa formation là. Frère l'islam, sur l'islam. La Palestine en général et Gaza, une vie, une leçon, non seulement pour la communauté musulmane, mais pour l'humanité en entier. Résistance and peuple, sans l'armée, jusqu'à tout récemment. Résistance and peuple, sans richesse matérielle, face à domination, ban juif, et avec complicité la communauté internationale pendant 60 ban années. Je suis encore là, je peux résister. C'est un mouvement, un peuple qui finit redéfinir valeur djihad. C'est un peuple qui finit redéfinir ça, une petite chose qui au mat fin perdu, l'envie pour mourir comme shahid. Alors qu'il s'est au mat là pendant 60-70 ban années, il reste dans l'éthargie. Ça au mat là pendant 60-70 ban années, nous ne laissons frère en islam, c'est en islam, nous ne laissons rentrer dans sa la vie mondaine là. Abu Ayyub al-Ansari, rahimahullah, le grand sahabi. Dans une de mes batailles qui m'ont musulman, qui fait à Constantinople, un parmi mes soldats musulmans, les sortit d'un rang musulman, les fonce dans l'armée kafir, les fonce dans l'armée kafir pour essayer de faire une ouverture. Les temps mes musulmans trouvent ça, je dis avec Abu Ayyub al-Ansari, radiallahu an, oh Abu Ayyub, get ça musulman là qui me fait comme si dirait il a livré lui comme si dirait il a vers la mort certaine et Allah peut dire voilà tout le qu'obi a dit comme il a tahluka n'a pas détruit eux même par eux problème mais get qu'il en fait Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu an lui dit avec sa musulman là lui dit à lui sa ayat là fin descend l'onu ban sahab. Nous comptons très bien quand et dans quelles circonstances sa ayat là fin de révéler. Et peine à personne qui connaît signification sa ayat là plus bien que nous. Voilà tout le coup de comme il a tahluka. N'a pas détruit à eux même par eux proclamer. Quand sa ayat là fin de révéler. Et qui veut dire sa ayat là? Sa ayat là fin de révéler comme un musulman. Après que je finis de faire djihad, je retourne dans l'endroit, je peux vivre avec cette famille, satisfait avec cette richesse que je finis de gagner dans djihad, je ne satisfait avec la vie d'unia, Allah Ta'ala descend sa ayat là, wa anfiqou fi sabilillah, dépenser dans le chemin d'Allah. Voilà tout le courbi aïdikum ila tahluka et n'a pas détruit à jeter même avec jeter proclamé Abu Ayyub al-Ansari, le grand sahabi radiallahu an li dire pas détruit à jeter même avec jeter proclamé veut dire Abu Ayyub al-Ansari radiallahu an li tipaïm al-musulman qui tit la guerre dans la guerre de Badr 350 000. Mais j'ai trouvé comme un musulman, tu plies, tu guides, tu moins équipé. Abu Ayyub al-Ansari, radiallahu an, li ti parmi ban sahaba qui ti la guerre dans la bataille de Uhud, 753 000, li ti trouvé comme un musulman, tu moins nombreux.
Et il dit, voilà tout le coup bien dit comme il a tahlouka, n'a pas détruit à eux-mêmes, pas à eux propres l'armée. C'est pas qu'un musulman, il y a un petit groupe qui fait face avec l'ennemi qui est un grand groupe, parce qu'il ne pas les signer, il donne nous les sauts, qui même eux mal équipés, je ne fais tête, je ne fais face à l'armée ban juif. Et aussi avec l'aide qui est américaine d'un man juif, hommes. Abu Ayyub al-Ansari, radiallahu anhu, dit, n'a pas détruit Zot avec Zot propre la messe, n'a pas satisfait Zot avec Zot la vie d'Unia, assisé avec Zot famille, satisfait avec Zot bien-être, et Zot quitte djihad. Parce qu'il y a là qui révélait le man sahaba. Quand je finis djihad, je finis la case que Dieu, je peux assiser, je peux jouir avec ma richesse d'unir. Allah rappelle Dieu. Dépenser. Et pas détruire Dieu, c'est-à-dire pas quitter djihad. Parce que quand un musulman quitte djihad, l'ennemi content et l'ennemi attaqué. Donc, frère, en islam, c'est en islam. Ce qui va le musulman dans la Palestine byzantine, du monde envie et ban orphelin, il descend Islamic Relief, Pearl House, la Ritouraine. Là-bas, il y a une série ban scheme. Quand un musulman est capable de sponsor, est capable de parrainer un orphelin, orphelin là reste dans ce pays, il y a une formation qui est bizarre. L'Ipavine d'Amoris qui est exposé à la drogue. L'Ipavine d'Amoris qui est exposé à délinquance juvénile. Et que les autres fléaux, non. Ils restent dans la terre. Et quand ils mourent là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître. Ben qui mourent dans le fils pas penser qu'ils sont morts, ben ahyaoun, rinda rabbihim, je vivais auprès de cette robe. Quand je suis mort là-bas, nous sommes capables de trouver photo, la cervelle indéo, trip indéo. Mais Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, fait nous connaître qu'un shahid. Souffrance, l'amour qu'il a gagné, comme si dirait une pin, ou bien une zéguine picoli. Quand je te mou là-bas, pendant que nous encore peut causer ici, je te dans les cours, ben, les oiseaux peut envoler dans Jannah, et je te place que je te repose, c'est que trône Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Al-Islamic Relief. Get ban scheme qui est là. Pas juste dans Palestine, entier le monde, que offre la musulmane, baby Zahid. Nous capables à contribuer mensuellement, annuellement, pour sponsor, pour parrainer un enfant, un orphelin. Et régulièrement, orphelin là, il a contact, correspondance avec celui qui peut parrainer. Pas besoin de faire un jeu de vin là, pour nous aider, saman, orphelin dans Palestine. Comment nous dire, Allah seul qu'on nous a l'intention, mais seulement un musulman, il besoin vigilant. N'a pas l'esman anarchiste. Nous sommes capables de dire qui veut dire un anarchiste. N'a pas l'esman anarchiste vin servi ban quelque chose qui est sensible pour la communauté musulmane, comme à Gaza. Pas l'esman anarchiste servi ça, servi la communauté musulmane pour atteindre ban l'objectif. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والله donne-nous beaucoup de choses dans la dunya, beaucoup de choses dans l'akhirat et protège-nous contre dix fait l'enfer. Allah protège les musulmans qui peuvent souffrir un petit peu partout dans le monde et aide les mujahidines qui peuvent la guerre pour défendre le nez, qui peuvent la guerre pour défendre notre richesse, qui peuvent la guerre pour mettre kalima la ilaha illallah au pli haut. Allah protège les musulmans contre l'intention de ban qui ou les dito, pas juste ban musulman à l'humanité en entier. Oh Allah protège ban musulman contre ban plan qui ban qui ou les dito pour l'humanité peut faire. Oh Allah retourne ban musulman vers Coran et Sunna et fait ce signe ferme avec sa délumière là. Jazakumullahu khayran wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.
أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرحمن علم القرآن خلق علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفضوا من أقطار السماوات والأرض فانفضوا لا فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. شقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام.